pour apprendre le contrôle et la supervision de centrales électriques, nos étudiants disposent d'un monde Minecraft dans lequel tout un monde électrique composé de producteurs, de consommateurs, d'équipements de stockage, de panneaux photovoltaïques, de centrales thermiques, de centrales hydroélectriques, etc. Ont été simulés. Et c'est leur terrain de jeu pour développer des équipements, des logiciels de contrôle et de simulation. Ouais, alors là, c'est une petite centrale de minage et puis on voit qu'il y a des pylônes et c'est contrôlé de l'autre côté sur un petit centre de contrôle en fait. En haut dessus, on voit qu'il y a des panneaux solaires pour l'alimentation. Ensuite, à l'intérieur, on va pouvoir voir on voit qu'il y a des boutons qu'on peut faire commuter ici pour choisir quel équipement on veut activer et quel équipement on veut désactiver. Ensuite, là, on peut voir c'est des graphiques qui montrent la puissance ou la tension ou bien le courant. Et puis ensuite, on a une autre petite salle derrière où là on voit qu'il y a des batteries et puis c'est là aussi qu'on va gérer la puissance. Il y a une LED qui clignote et qui indique qu'il y a une communication entre notre programme et puis le monde Minecraft justement. On a employé différents protocoles, un pour communiquer avec le petit automate, un pour communiquer avec un serveur web et puis un pour communiquer avec une base de données. Le point fort de ce projet, c'est vrai que ça simule une installation qui pourrait exister en réel, donc avec des panneaux solaires, une centrale à charbon par exemple, et du coup on pourrait appliquer ça après sur une vraie centrale. Ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'on a pu voir une application concrète des éléments théoriques qu'on avait vus durant les autres cours. Cette idée d'utiliser Minecraft, elle nous a été donnée par des anciens étudiants et assistants qui, dans leur temps libre, par passion, ont développé ce monde qui connaît un succès énorme dans la communauté Internet. À preuve, il y a jusqu'à ce jour 16 millions de lancements du jeu qui ont été comptabilisés.